Bonjour, je voulais vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année et je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2013. Et je voulais en profiter pour faire une petite vidéo pour vous donner quelques conseils qui sont issus de ma propre expérience. Déjà, je voudrais vous dire que le temps passe vite et pourtant je suis encore très jeune, mais je sens le temps glisser entre mes doigts. Et donc je voulais vous dire que c'est très important d'écouter votre cœur et d'écouter ce que vous avez envie de faire. Et donnez-vous les moyens de faire ce que vous aimez. Donnez-vous les moyens de dire je n'ai pas besoin de prendre de temps pour moi parce que tout ce que je fais au quotidien, c'est du temps pour moi tellement j'aime ce que je fais. Je trouve que c'est très important. J'ai entendu ça et j'ai entendu une célébrité dire ça. Et pour moi, ça a été une révélation. Je le fais déjà et je me suis rendu compte que je le faisais déjà et que je n'avais pas spécialement besoin aujourd'hui de temps pour moi. Parce qu'au quotidien, à chaque instant, travailler avec vous, mes équipes, mes partenaires, ou travailler avec des personnes qui font du marketing de réseau et veulent apprendre à utiliser Internet, bref, ce travail, puisqu'il faut bien mettre un mot dessus, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui me permet d'exploiter mon potentiel et qui me fait rayonner de l'intérieur. Pour moi, à chaque instant, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Et bien sûr, j'ai d'autres activités à côté qui me plaisent aussi beaucoup, comme m'occuper de mon chéri. J'adore énormément faire la cuisine. Je me suis découvert une passion pour la cuisine. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, j'aime faire de la peinture aussi. Et toutes ces activités, pour moi, on pourrait dire que c'est du travail aussi. Et ce sont des activités qui me plaisent énormément. Donc, laissez-vous du temps et donnez-vous les moyens de découvrir ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, et donnez-vous les moyens de pouvoir exercer ces activités qui vous plaisent au quotidien et de dire finalement, j'ai pas vraiment besoin de partir en vacances, j'ai pas besoin de prendre de vacances parce qu'au quotidien, ce que je fais me comble et me plaît. Et je pense que ça, c'est un petit peu comme ça qu'on peut définir la réussite dans la vie. Parfois, il y a bien sûr des besoins financiers et ces besoins financiers servent et sont toujours utilisés dans une démarche de faire des choses qui nous plaisent et qu'on a envie de faire et qui nous comblent. Voilà. Et pour cette année 2013, allez toujours de l'avant. C'est vraiment quelque chose, c'est une habitude ancrée en moi personnellement. J'essaye toujours d'aller de l'avant, de voir avec optimisme le futur, de toujours aller vers l'excellence, de m'améliorer parce qu'on peut toujours faire mieux. Je crois vraiment qu'on peut toujours faire mieux, mais toujours avec grand plaisir, avec une grande envie d'aller dans cette direction-là et en appréciant vraiment ce que l'on vit au quotidien, même si parfois on rencontre des difficultés, même si parfois il y a des défis à relever, même si parfois ça fait mal qu'on souffre. Pour moi, c'est de la bonne souffrance parce que à travers ces différentes expériences, je grandis, j'apprends, j'expérimente la vie telle qu'elle m'est offerte et je vous souhaite vraiment, si vous avez des résolutions à prendre pour 2013, c'est ça, c'est de trouver votre but dans la vie et de l'accomplir et de vivre chaque instant de votre vie avec grand plaisir et en sentant que vous êtes accompli, que vous accomplissez dans ce que vous faites et que aussi vous contribuez et que vous redonnez quelque chose, que vous contribuez, que vous avez une sorte d'œuvre de service aux autres ou à la planète ou à l'humanité ou aux plantes, aux animaux, quelle que soit votre contribution, que vous participez à la construction du monde. Et quand je parle de construction, je parle autant d'une croissance physique qu'une croissance personnelle du monde. Voilà. Un beau message, je pense, d'espoir pour cette année 2013 aussi, que je vous souhaite, eh bien, très belle et heureuse avec votre famille, vos proches, les gens que vous aimez, vos amis. Et eh bien, on se retrouvera probablement sur le chemin de cette année 2013 et même ensuite pour d'autres aventures. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et eh bien, profitez bien de chaque instant que va vous offrir cette nouvelle année 2013. À très vite, bye bye.